les premières minutes en MLS en fin de semaine, comment t'as trouvé ça? Comment ça a été? C'était un feeling exceptionnel. C'est un rêve depuis que je suis jeune de jouer avec mon club à Montréal. Malheureusement, pas le résultat qu'on voulait, mais c'est le premier match puis on va continuer à travailler. Est-ce que tu as senti que quand tu es arrivé sur le terrain, vous avez créé plus de choses offensivement? Bien, c'était ça mon but. Moi, je voulais rentrer puis mettre un spark, essayer d'allumer l'attaque un peu. Je pense que j'ai fait une assez bonne job. C'est sûr, j'aurais pu faire encore mieux, mais je suis content avec mes premières minutes. C'est quoi les consignes du coach à ton égard? Tu as créé trois chances. C'est le plus haut total de tes coéquipiers en juste 30 minutes. Qu'est-ce qu'il t'a demandé de produire ou de faire? Lui, il m'a juste dit, tu rentres puis tu allumes l'attaque. Tu fais le plus que tu peux offensivement. Tu essaies de créer des choses, peut-être mettre un but ou faire le plus que tu peux. Et c'est ça que j'ai essayé de faire. Et malheureusement, on n'a pas pu revenir, mais il y a le prochain match samedi. As-tu senti que la pré-saison t'avait bien préparé pour le niveau MLS ou t'as quand même t'as vu une autre coche entre les derniers matchs pré-saison puis la vraie saison samedi? C'est sûr, les matchs pré-saison et un match MLS, c'est différent, mais je pense qu'on était assez bien préparé. On a fait beaucoup de matchs pré-saison, on a eu beaucoup de minutes et j'ai pas senti que, oh wow, il y a une grosse différence. C'était juste un autre match puis fallait prendre les trois points. Mais... Tactiquement, comment Miami vous a dérangé pour mettre votre plan de jeu en place? Je dirais qu'ils étaient juste plus propres techniquement, ils ont créé plus de chances. Ils nous faisaient payer cash sur nos erreurs. Alors quand nous, on faisait pas attention, ils nous prenaient dans le dos puis c'était parti. Les coups de pied arrêtés, ça on doit être mieux, mais je trouve pas qu'ils étaient tant meilleurs que nous. Nous aussi on avait des chances de marquer, mais on les a pas mis au fond du filet, mais c'est ça qu'il faut faire. Ce matin, on t'a vu à l'entraînement jouer à la gauche de Rommel. Est-ce que c'est une position que tu es confortable, jouer à l'aile ou comment tu vois ça? Ben, c'était comme jouer avec 2-10, alors pour moi, c'est la même chose que jouer avec un 10. Donc, un 10 central. Juste jouer en dessous de Rommel, c'est okay. Ça que j'aime, le faire donner des passes décisives et tout ça, c'est ce que je veux faire pour lui. Vous avez vu prendre les coups de pied arrêtés, encore une fois, consigne du coach ou c'est plus ton intuition et ta décision? Consigne du coach. J'avais pris beaucoup de coups de pied arrêtés à Winnipeg et tout, alors je me sens assez confortable pour les prendre et j'essaie d'aider ici en faisant les coups de pied. J'imagine que la plupart de tes minutes à Winnipeg, c'était plus comme titulaire. Alors d'arriver en cours de match comme ça, est-ce que ça a été... petite période d'ajustement pour toi? Non, pas vraiment, parce que si c'est jouer un match comme les autres, je pense que juste moi, j'étais prêt pour entendre mon nom, puis dès qu'il m'a dit « Sean, tu vas rentrer », moi, j'étais prêt. J'attends ces moments-là depuis que j'ai très jeune, alors j'allais être sûr d'être prêt pour rentrer. Et crois-tu que samedi, c'est possible de voir ton nom sur la feuille de partant? Ben, j'espère, ça, c'est une décision du coach, mais moi, mon travail, c'est de bien performer à l'entraînement, puis après, on verra. As-tu déjà joué en défense centrale? Peut-être qu'ils vont avoir besoin de toi éventuellement. Non, ça, j'ai jamais fait, puis je pense pas que je vais être très capable de jouer cette position-là. Mais on verra. Comme des bouches, c'est ça. On verra. Merci, Sean. Merci beaucoup, les gars. Merci, Sean.